pone María que tú digas. Yo no sé qué quiera consagrar su María, ¿no? Es siete. Quand ils ont consacré ce mariage, après, il y a eu un temps où il fallait donner des cadeaux. Alors j'ai vu le pasteur Mabungu venir prendre ma Bible. J'ai venu prendre ma Bible. Et qu'il a donné à Prudence comme le cadeau de mariage. Et il a pris sa Bible qu'il utilisait. Il me l'a donné, c'est cette Bible ici. Donc je n'ai pas compris exactement ce que ça voulait dire, mais c'était spirituel. C'était quelque chose qui m'avait un peu dépassé. Et bon, j'ai trouvé que c'était le niveau de confiance. C'est vraiment là qu'il avait à moi. C'est vrai. Un jour, je lui ai demandé, et que jusqu'à présent, je ne comprends pas ce que tu avais fait. Tu avais pris ma Bible et tu as donné à ton fils. Et tu as pris ta Bible et tu me l'as donnée. Et donc, lui ne faisait que sourire. Mais il ne m'a jamais expliqué ce que cela voulait dire. Quand je lui posais cette question-là, oh, viens toi aussi. Et donc c'est cette Bible ici, qui est un souvenir que le pasteur Mav m'avait donné. Donc, le jour du mariage du pasteur Prudence. Son premier fils. Donc, ici, j'avais deux pasteurs qui me rendaient visite souvent, ici, à la maison chez moi. C'est le pasteur Numbi qui venait souvent de Kindo, ici. Donc, c'est ici l'adresse du pasteur Numbi à Kinshasa. Il venait ici. Donc parfois c'était pour les soins, parfois c'était pour les missions de service. Et c'était ici son adresse. Et quand moi j'allais à Kindu, c'est lui qui me recevait. Et qui me logeait. On a perdu un être très cher. Et c'est difficile d'oublier. C'est très difficile d'oublier parce que je me rappelle comment Dieu nous a élevé chacun de nous. C'est ici l'adresse du pasteur Mavungu. Tous les temps qu'il venait ici à Kinshasa, il s'adressait à moi. Et c'est ici son adresse. Et moi, quand j'allais à Pointe-Noire, donc c'était chez lui. Et donc, qui était mon adresse. Donc, à Pointe-Noire, je suis chez ma femme. Et je voyais comment il faisait. Il faisait tourner la ville. On allait manger des mabouk. C'est où là? À la frontière avec l'Angola. Donc, on allait manger là, les poissons, je sais quoi, là-bas, pour revenir le soir. Et j'étais toujours logé à Pointe-Noire comme un prince. Donc, c'était un grand témoignage. Je ne voulais pas que ces deux pasteurs qui m'étaient chers puissent nous présider sans que nous puissions même nous retrouver un peu comme ça
pour les fils que souvenir. C'est de se souvenir de ceux qu'on était avec eux, de la manière dont on coopérait. Je suis en train de voir que je suis en train de rester seul et tous les amis sont en train de partir. Donc c'est difficile. Et je crois que on a passé du temps sur la terre. Donc là, très bientôt, ça sera le départ. Donc c'est pour cela que je suis venu, je vous ai appelé. Pour qu'on puisse partager ce moment. Et parler un peu, donc chanter un peu comme moi, je suis un chanteur. Donc il fallait qu'on se retrouve un peu pour donc, une petite communion. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.